Répondant à un appel d'une dizaine d'associations de droits de l'homme activant en France, un rassemblement a été organisé par la diaspora marocaine devant l'ambassade du Maroc à Paris. Les manifestants ont dénoncé les pratiques répressives du Marzen et exigé la libération de tous les détenus politiques se trouvant dans les geôles du royaume. Là pour exprimer notre solidarité avec tous ceux qui luttent au Maroc, surtout les journalistes emprisonnés, ce procès inique qui a frappé dernièrement Omar Radi et Slimane. On voit que le Maroc, les libertés se rétrécissent de jour en jour, c'est scandaleux. Nous dénonçons aussi, on est venu pour dénoncer aussi la complicité des pouvoirs français et occidentaux avec le régime marocain. La diffamation est devenue le principal moyen de pression de la classe dirigeante et du pouvoir marocain pour faire taire la contestation. Si nul, évidemment, on est au-dessus des lois et que la lutte contre les violences faites aux femmes est évidemment une priorité, mais la règle pour écraser la liberté d'expression, c'est indigne. Alors je sais qu'ici, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, mais le pouvoir marocain n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit dans ce registre, parce qu'il use massivement des méthodes les plus criminelles. Les militants des droits humains ou du Irak connaissent des conditions de détention inhumaines. Nombreux sont ceux qui sont à l'isolement, qui ont mené des grèves de la faim. Et le Parti communiste appelle à leur libération immédiate. Les associations de défense de droits de l'homme dénoncent le durcissement répressif spectaculaire. Un durcissement qui s'inscrit en droite ligne de la continuité de l'histoire d'un pouvoir autoritaire. Poursuites judiciaires, emprisonnement de journalistes indépendants, loi liberticide, censure de médias en ligne et inculpation d'artistes et de citoyens sur la base d'accusations fallacieuses. Mais nous, depuis de très très nombreuses années, on est aux côtés du peuple marocain contre la répression, contre le régime du roi Marzen, et pour dénoncer la politique de la France, qui est une politique de soutien à cette dictature marocaine, qui est une politique de maintien sous dépendance d'accords inégaux imposés sur le plan économique et financier au Maroc, qui récompense même des tortionnaires du régime marocain. Enlèvement, torture, arrestation arbitraire et condamnation sont autant de châtiments réservés aux journalistes, youtubeurs et activistes de droits de l'homme ou tout citoyen exigeant la justice sociale. La liste des victimes des brutalités ne cesse de s'allonger. Les manifestants restent décidés à poursuivre la mobilisation pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion, notamment Omar Radi, Souleymane Raïssouni, Toufik Bouachirine, et la liste est encore longue. La raison pour laquelle on est ici, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Omar Radi, les prisonniers politiques, les prisonniers du RIF, c'est des gens qui se battent contre un pouvoir inique, contre une dictature. Et qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en France, le meilleur soutien de la dictature, c'est Macron. Donc Macron qui se prétend être un libéral, Macron qui se prétend être un démocrate, il fait deux choses. Donc d'une part, il soutient le régime dictatorial au Maroc. Nous, on a été aux côtés des camarades marocains dans tous les rassemblements auprès de l'ambassade pour la libération des prisonniers politiques, d'Omar Radi, des prisonniers du RIF, de Zafzafi et des autres de ses camarades qui ont été condamnés à très lourdes peines. C'est absolument scandaleux. Le gouvernement français, qui se prétend démocrate, en fait soutient clairement la dictature marocaine. Les manifestants dénoncent par ailleurs une justice aux ordres d'un pouvoir autocratique. Libérez les prisonniers, libérez les prisonniers, libérez.